Bonjour et bienvenue dans Wesh. Voilà, nous arrivons à notre dernier épisode de cette série consacrée aux sentiers de grande randonnée de la province nord. Aujourd'hui, je me trouve à Tiwae, à Tuo, et nous allons jusqu'à Wanash. Nous allons découvrir des paysages d'une magnifique beauté, des grottes à vous couper le souffle et des roches impressionnantes. Et pour tout nous dire sur ces endroits magiques, nous serons accompagnés par les guides du coin. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Oui. Léon. Bonjour. Olé. Jean, tu es référent ici à Tiwae. Parle-moi un peu de ta tribu, s'il te plaît. Ici à la tribu, on est 200. Pour les activités, on va faire la chasse, prendre des manioc et ignames, tout ça. Si on veut gagner, on emmène au marché, on vend de la viande aussi. C'est ça, les seaux pour faire entrer. Jean, je vois que derrière, il y a une maison en pierre. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette maison, s'il te plaît? Ça, c'est pas nous. Nous, on est des jeunes. Ça, c'est nos vieux qui ont monté la maison. Les pierres, ça vient de la rivière. Lorsqu'ils montent la maison, ils mettent le pierre, puis la terre par-dessus, pour remettre encore le pierre. La pierre, ouais, encore. Oui, ouais, ils font ça. Et des maisons comme celle-ci, il n'y en a que ici? Mais il y a beaucoup ici à la tribu, mais quoi, il y a par là, il y a deux. Deux là-bas, par là. Oui, deux par là. Mais tu verras à par là. Mais avant de prendre le germe, je vais t'emmener pour voir le caillou et puis en même temps, tu vois le couloir. Le couloir. C'est un endroit que c'est moi qui ai donné le nom pour le couloir, mais tu verras si on va visiter. C'est bon, je te suis alors. Ok. Quand tu es dedans, il fait froid. Je crois qu'ils font ça parce que c'est pour tenir. Quand il y a des cyclones aussi, Il est solide. Oui, il est solide. C'est beau aujourd'hui. Oui. Oui, il y a un chat qui est tombé, il a claqué. On défourse un peu. Oui. Tu prends cela et tu nettoies. Bon, ça. Attention parce qu'il y a une graine dedans. Il y a une graine dedans. Tiens. Hop. Hop. Trop bon. Et il est où l'arbre? Voilà, t'as vu, il y a le feuille jaune. Celle-là, c'est Jackie. Et c'est quand la saison pour les fruits, Jean? Normalement, c'est au mois de novembre, décembre. Mais en ce moment, il commence à donner. Oui. Là, tu peux trouver si c'est mûr. Ok, on va aller. Ouais. Plein de pieds de café ici, Jean. Oui, t'as vu cet arbre? Oui. Nous, on appelle Saint-Dragon. Ouais. Mais c'est planté pour faire l'ombre pour Pour les caféiers. Voilà. D'accord. Mais là, il n'y a pas de feuilles, là. Oui, mais là, il n'y a pas de feuilles parce que c'est le moment qui tombe les feuilles. En hiver? En hiver. D'accord. En ce moment-là, c'est un repas pour les ignames. Là, il faut nettoyer les champs, puis après planter. Quand il commence à donner le feu, c'est là qu'il commence à pousser les ignames. Ouais. Pourquoi sans dragon? Quand tu coupes, tu vois le... Ah, la sève. Ouais, la sève, elle est rouge. Rouge, ouais. Sans du dragon. Et c'est un arbre qui a été importé par les colons, ça? Oui, ils ont emporté pour faire l'ombre du café. Ouais. Ils font des potes barrières aussi. Ils font aussi des barrières avec. Donc là, c'est la saison des ignames. Plantation. Plantation.
Parce que là où il y a le couloir. Waouh. Ah mais je pensais pas que c'était un couloir, couloir en pierre. Mais comment il s'est fait ce couloir, Jean? Ben, c'est naturel, hein. Mais la chute d'eau, il venait de là-haut, mais t'as vu le caillou, ça, peut-être sa force de... Avec les inondations, avec les fortes pluies, ça a creusé dans la roche. Ouais. Mais tu peux descendre dans l'eau, là, il fait pas froid. Non, mais là, c'est trop profond, là. Là, si je rentre, là, c'est tout mouillé du scrum. Là où tu es, c'est bon. Regarde, là, ça, c'est juste un peu ça. C'est un beau couloir. Comment tu as découvert ce lieu, Jean? Ben, moi, j'ai découvert ici quand je suis venu pour faire la pêche au creuset. C'est toi qui as donné le nom de ce lieu couloir. Oui. D'accord. Ben, la façon de quand j'ai donné le nom, ben, c'est qu'il ressemble à un couloir. Ben, c'est ça que j'ai posé, le nom du couloir. Ok. Ouais. Je repasserai dans le coin. Quand il fera chaud. Oh, merci beaucoup, Jean. Allez. Merci pour ce petit moment. Je me souviendrai du mot couloir. Maintenant, je verrai le couloir de Tiwai. Ok, ben, bonne continuation jusqu'à Paola. Oui, merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez. Quelle belle surprise ce couloir! Maintenant, je vous propose qu'on aille rejoindre tout de suite une équipe de la brigade des gardes nature de la Promesse Nord. Ensemble, nous marcherons jusqu'à Paola et là, je vous parlerai de l'impact de l'homme sur la nature. Allez, on y va! Max? Cédric, bonjour! Jenny, enchanté. Bonjour. Max, qu'est-ce qu'on va découvrir sur ce bout de tronçon? Sur ce tronçon du GR qui relie Tiwai à Paola, nous allons nous arrêter sur l'aspect végétal de cette forêt, notamment les espèces endémiques et les espèces invasives, et constater aussi les impacts sur l'environnement par rapport aux incendies qu'on peut découvrir. On y va? Allez, c'est parti! Et cet arbre Là, par exemple, tu vois, ça, c'est un kapok. C'est pas une espèce végétale qui est propre à ici. Ça a été importé. Mais quand on fait l'observation, on voit que ça, c'est une source d'alimentation pour les roussettes. À côté, on voit les cocotiers. Donc, il y a les fleurs aussi qui sont très favorables pour la nourriture des roussettes. Des roussettes. Et on a tout un tas d'arbres aussi, comme le manguier, qui, à la saison des fruits, bien sûr, ça apporte de l'alimentation pour les roussettes. Il n'est pas d'ici. Voilà, c'est une espèce qui a été introduite sur le territoire. Par exemple, sur ce site, sur un tout petit périmètre comme celui-ci, on va noter quelque chose, on va constater un certain équilibre entre l'action humaine et la végétation. Le fait d'avoir planté des agrumes, des manguiers, des cocotiers, donc tout ça, des arbres fruitiers, c'est pour les besoins de l'homme, on est bien d'accord. Mais ça répond aussi aux besoins alimentaires des oiseaux. Donc quelque part, l'homme a mis quelque chose ici sur place qui permet d'avoir un équilibre. Favorise aussi. Qui favorise le développement et de l'homme et des espèces animales. Et des espèces animales. Et des espèces végétales. Ah, c'est super. Et en deuxième point, le fait d'avoir une végétation comme celle-là, ça permet de maintenir l'eau dans les sols.
Parce qu'en imaginant qu'il n'y ait pas de végétation, l'eau de pluie dévale la pente et va directement dans la rivière. Et ça disparaît, ça met 2 jours à disparaître. Mmh. Alors que là, ça mettra un petit peu plus de temps. Fait office d'éponge pour retenir cette eau. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est comme une éponge, effectivement, elle absorbe la pluie qui vient du ciel et puis ça la maintient le plus longtemps possible ici. Donc il y a quand même un équilibre. Ça, c'est quand même pas mal. Donc l'homme est capable de pouvoir trouver un équilibre sur un sol qui lui appartient ou dont il a gestion. Vous avez entendu ? Préserver, voilà, un site comme celui-ci. Voilà encore un exemple de diversité, goyave de Chine, jamelon. Tu vois ? Ah, le jamelon, c'est un bel arbre, hein. Encore plein de fruits. Regarde. Ah, super, super, super. Ce qui est bien sur ce GR, c'est quand c'est la saison des framboises, eh ben, il y a ce qu'il faut, hein, pour s'alimenter et pour s'hydrater aussi. Premier choix. Voilà, on poursuit. Allez. Tiens, là, par exemple, selon toi, bambou, ça fait partie des espèces envahissantes, des espèces endémiques, autochtones ou indigènes? Moi, je dirais indigène. Indigène. Eh ben non, plante envahissante. Il y a de quoi se rafraîchir ici. Tiens, voilà, par exemple. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Tu vois, par rapport à un point d'eau comme celui-là, on a le couvert végétal. Donc ça diminue un petit peu les effets de l'évaporation de l'eau avec le soleil et le vent. Donc ça préserve l'eau ici. Imagine qu'il n'y ait pas ce couvert végétal. Est-ce qu'on aurait la même quantité d'eau qui s'écoule jusqu'en bas? C'est pas sûr. Donc c'est quand même un intérêt de préserver tout ce couvert végétal. Tu vois? Parce que c'est quand même aussi un habitat pour les espèces qui vivent autour de ce point d'eau, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et en plus, c'est joli. Si j'ai bien compris, pas de couvert végétal, moins d'eau. Voilà. Puis à l'évaporation, voilà. D'où on disait tout à l'heure, cette éponge qui retient l'eau et on la retrouve, c'est tout doucement. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'eau ou s'il y a moins d'eau, il y a moins d'espèces qui viennent habiter autour. On a besoin, que ce soit nous les humains ou les animaux, on a besoin de l'eau. Donc ça favorise aussi les habitats des espèces qui vivent au ras du sol et au-dessus des arbres. Donc c'est vraiment propice au développement des espèces animales et végétales. Donc l'intérêt, c'est de garder ces sites comme ça, bien préservés. Et bien entendu, le meilleur moyen, c'est d'éviter de mettre les feux. Voilà, pour préserver l'eau, qui est vraiment indispensable à la vie et humaine et de la nature, de toutes les espèces qui vivent autour et qui en sont dépendantes. Ben tiens, là typiquement un exemple d'impact lié à l'incendie. Donc ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque tout est brûlé, donc le sol il est nu. Admettons qu'il y ait 2 jours de pluie intense, donc l'eau elle va descendre à une grande vitesse de partout et ça va venir tomber dans ce caniveau et il y aura un phénomène d'érosion. Alors que s'il y a un couvert végétal au sol et en haut, donc l'eau elle est ralentie dans sa chute et dans sa descente. Donc l'eau tombe naturellement dans ce petit caniveau et ça descend naturellement vers le bas. Et le deuxième point sur lequel je voulais apporter une précision, c'est la présence de ces niaoulis. Et à la limite, Jenny peut t'expliquer aussi, par exemple, d'où vient cette espèce-là. Et Jenny, le niaouli, il est endémique ou pas? Pour le cas particulier du niaouli, à la base, c'est une espèce qui pousse dans les marais. Donc au fur et à mesure du temps, elle s'est adaptée au feu, tout ça. Donc elle s'est installée sur les zones où le feu il a pris place. Si tu observes bien le tronc du niaouli, elle a plusieurs couches. Donc quand le feu passe, elle sera toujours protégée. À la base, ces espèces-là étaient dans les plaines, aux abords des marais, dans les marais. Maintenant, on voit qu'elles prolifèrent dans les hauteurs parce qu'elles s'adaptent aux milieux qui sont dévastés par les incendies.
ce sont ces seules espèces-là qui arrivent à résister aux incendies, de par la peau protectrice qui les préserve justement de ça. Et on peut imaginer dans un avenir plus ou moins proche ou lointain que tous ces espaces soient peuplés de niaoulis, de sensitives, etc., etc. À force de brûler, on aura enlevé les espèces authentiques qui sont riches, qui sont favorables à l'équilibre de ce territoire, pour voir pousser ça à la place. Et c'est dramatique. Donc voilà. Ok. Ouais. Ça mérite réflexion, hein. C'est ça aussi. Allez, on continue. Tiens. Voilà ce que je disais tout à l'heure. On va faire un petit point là-dessus. Tu vois, là, par exemple, ce qui repousse juste après un feu, ben voilà, la sensitive, il y en a partout. Ça, c'est une plante envahissante. D'accord ? Alors, pour entretenir des parcelles comme ça, c'est pas possible, parce que non seulement ça pique, mais en plus, c'est entremêlé. Donc, pour s'avancer dans une végétation sensitive, c'est pas la peine. Mais non, on peut pas. Alors, ça va tirer. Par contre, le cochon et le cerf, lui... Lui, ça passe. Il passe tranquille. Donc, c'est vraiment propice pour les espèces animales et végétales envahissantes. Encore une espèce nuisible qui favorise les incendies. Voilà, complètement. Un peu. Voilà, les traces d'impact humain. Alors tu vois, c'est simple. On consomme et on jette sur place. On se déleste de ses déchets, tranquillement. Voilà un exemple. Et l'impact sur l'environnement que ça provoque ? Justement, on voit deux types de matériaux, donc aluminium et verre. Donc on a suffisamment de communication par affichage, flyer, etc. qui parle justement de ces effets néfastes sur l'environnement, la durée que ça prend dans le temps pour s'user. Et on compte en dizaines voire centaines d'années. Donc il y a un impact sur l'environnement. Pour tous ceux qui se baladent en forêt, concernant les déchets qu'on peut voir ici, verre, papier ou autre, mettez-les dans vos poches. Laissez les lieux tels qu'ils sont. Voilà. Allez. Donc encore un point particulier, une belle vue sur le lagon, c'est magnifique. À côté tu as la forêt primaire qui est plus ou moins intacte. Et là, on a un paysage qui est complètement opposé. Et on peut comprendre que tout ce qui y a comme impact au niveau des hauteurs se termine là-bas dans le lagon. Qui, au passage, je précise, fait partie des zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc un site très sensible à préserver. Donc c'est quand même très important de ne pas impacter les hauteurs pour ne pas impacter aussi le lagon. Parce qu'on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, avec la descente des sédiments, etc., ça puisse avoir des conséquences sur le corail, donc l'habitat aussi des poissons. Donc l'homme a besoin de se ressourcer au niveau de sa ressource naturelle terrestre, mais aussi de tout ce qu'il peut en prélever du lagon. Tu vois, quand on a commencé le parcours du GR, à la tribu de Tiwae, on a vu juste après où il y avait un champ, il y avait des plantations d'agrumes, etc., d'arbres fruitiers. C'est magnifique. Donc une action de l'homme qui est très favorable à la préservation de l'environnement. Et ici, en direction de la tribu de Paola, on a sur le chemin des zones dévastées par les incendies. Donc ce sont deux actions totalement différentes, mais faites par l'homme. Donc aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que l'homme puisse faire comme celui qui a fait sa plantation en bas, qui a aménagé, qui a fait le nécessaire pour préserver sa ressource naturelle et à éviter ce genre d'action.
Donc le message, c'est de bien faire comprendre aux populations que ça, c'est néfaste. Il faut qu'ils comprennent. Et voilà, c'est la fin du parcours. Nous sommes à Paola. Merci beaucoup, Max. Merci pour tout. Tout plaisir pour moi. Merci, Jenny. Il nous reste encore 8,6 km pour le dernier tronçon du GR Paola-Wanash avec une durée de 3h15. Comme on l'a dit, petite consigne générale, hein, ramenez vos déchets, ne pas allumer de feu et surtout, respectez l'environnement. Je vois qu'il y a des champs, je pense qu'on n'est pas très loin de Wanash. Oh, salut Cédric! Allez. Ça va? Attends d'arriver. Voilà! Ah, ben c'est ça. Bon. Ça va? Oui, ça va. T'as fait bonne route? J'ai bien marché. Profiter du paysage aussi en même temps. Oh. T'as été trop dur? Ça va, ça monte, ça descend, mais sinon ça a été. Ah, ben c'est cool alors. Bon, Cédric, maintenant que t'es arrivé chez moi, je vais te montrer les grottes. Ouais. Comme ça, tu termines en beauté le GR. Ah ouh, moi je te suis. Merci beaucoup. Allez, on y va. Voilà, c'est là où les grottes. C'est là qu'on va aller. C'est les mêmes roches que Yengen, hein? Voilà, ce sont les mêmes roches que l'on retrouve sur l'un des rallyes qui Yengen. On retrouve dans la vallée de Wailou, de Poya, tout ça là. Voilà, Cédric, c'est là qu'on va aller, que je vais vous faire montrer là, les grottes de Wanash. C'est un ancien abri pour les vieux à l'époque, en cas d'intempérie, en cas de guerre tribale là. Donc ils vont se réfugier là-dedans. On va y aller? Ah, je te suis. Allez. Barrière de quoi, bétail? Bétail. C'est mon frère qui élevait les bétails à l'époque. Ouais. Bon, ça fait costaud les mollets à force. Ah, c'est ça aussi. Ah, c'était un bon refuge. Hein. Ah ouais, c'est super. Ouais. Ouais, c'est là que les vieux à l'époque ils se réfugiaient. Elle descend profond? Oui, à au moins 10 mètres. Alors Jean, tu peux m'expliquer un peu? Voilà, donc ici, c'est. Voilà, tu aperçois là-dedans, là, les rangées de cailloux, là, les pierres, là, qui sont mis en. Donc, ça, c'est les familles.
les familles qui sont à l'intérieur de chaque rangée de cailloux. Alors il y a un feu à l'intérieur, ils font un feu. Et quand tu vois, il y a des grands espaces, c'est là où il y a les grandes familles. Les petits espaces, ce sont là où il y a les petites familles. Donc là, tu vois, tout le long, aligné là. Et il y a une allée centrale là. Donc pour sortir de l'autre côté, voilà les rangées de pierres. Donc les petites familles sont sur le côté là, avec chacun un endroit pour faire le feu. Mais par contre, moi j'ai connu une autre grotte où moi avec mes parents, mes frères et sœurs, on a vécu dedans. On est allé se réfugier en temps de cyclone. Donc nous, chez nous, il n'y avait pas de maison en dur encore. Voilà, on allait se réfugier dedans. À chaque fin d'année, il fallait aller ramasser du bois, rassembler le bois, chercher de l'eau. Voilà, c'est truc, t'as vu? Là, il y a les restants de... les débris de poterie, là. C'est les marmites. Voilà. Et puis ici, il y a les coquillages. Là, par exemple, il y a les huîtres. Coquilles des huîtres. Et puis là, c'est bénitier. C'est ce que tu as trouvé ici. Voilà, voilà, voilà. Ça doit être des marmites cassées. Puis après, ils ont jeté au dépotoir. Parce que là-dedans, il y a un petit dépotoir à eux, là. Donc où tu retrouves les coquillages, voilà, et puis les marmites, tout ce qui a été cassé. Oui. Donc ils ont jeté à l'intérieur. Donc il y a les coquillages du bord de mer, il y a les coquillages de palétuvier. Eh bien voilà Cédric, c'est là que ça se termine notre visite de grotte. Vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce que ça te plaît? Ah oui, oui, oui. Allez, ok. C'était retour dans le passé. Ah. Olé. Ben c'est le but quoi. Ben, okay. Ah, ok, on y va. C'est bon, je te suis. Merci. Voilà, notre périple est maintenant terminé. Je vous ai montré quelques merveilles de ce beau GR. Je vous invite bien sûr à le faire. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt dans Weali. Il y a 10 ans.